Hey, wait. Psst. Wait. Que me veux-tu, geôlier? Mille excuses de vous importuner, messire. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et, étant perdu, je suis poète. Aussi. À la bonne heure. Pourrais-je vous réciter quelques-unes de mes compositions? Ce serait un immense honneur pour moi. Et après cela, tu me laisseras tranquillement attendre ma pendaison dans le silence. Promis. Je suis geôlier, cela me pèse. Si je t'attrape, je te parle. Bien dans le fond de ma cellule. Si je t'attache, je t'enferme. Et dans ce vieux château, j'habite. Où j'en ai vu passer des gens. Demain, ce sera ton jour, fripouille. Tu seras pendu par le cou. Alors ? C'est bien. C'est vrai ? C'est bien nul. Ah ! Ah bon ? Geôlier ! Oui, votre altesse. Détache-le. Je vais détacher. Laisse-nous. La flamme bien moyenâgeuse. Ah. Oh. Ah. 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 Sais-tu seulement ce que cela fait de ne pas pouvoir donner d'héritier au royaume de France? Je n'ai d'autre choix que de garder ce bâtard en tant que dauphin! Jusqu'au bout, tu m'auras nui. Mais maintenant, c'est fini. Oh oui, c'est fini. Mais avant que ta pauvre carcasse ne serve de repas au corbeau, permets-moi de... torturé. Ouais, c'est ça. Hein? Faites-vous!
Daniel. Lourdes, aide-moi à retirer ce masque. Si je fais ça, tu vas mourir. Oui, enfin. Ça change rien. Tu es le dernier des Castelbajac. Mon frère. Il y en a un autre. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et maintenant, Castelbajac, il est temps de... Marie! Et maintenant, Urbain, partez tant que le roi est inconscient. Et ne faites pas la même erreur que la dernière fois. Je vais voir mon fils. Le geôlier veut vous aider à quitter le château. Promettez-moi que nous nous reverrons. Marie. Vous l'avez dit vous-même, je suis un corbeau noir. Ce n'est qu'une pensée, une idée que vous aimez. Je ne peux vous donner ce que vous désirez. Attends-nous, messire. Sois un meilleur homme que ton père, mon fils. Adieu, Marie. Votre épée, le poète. Il vous faut quitter Paris, prestement. Oui, il faut un cheval. Il y a celui du prévôt. Merci mille fois, Jolie. Tiens, prends ceci. Mais qu'est-ce donc, messire ? Mes poèmes, tu les publieras en ton nom. Oh non, je ne peux... Fais-le. D'accord. Et l'Église nous dit et compte que prions pour nos ennemis. Je vous dirai, j'ai tort et honte. Quoi qu'il m'ait fait, adieu, ami. Souvent à la haine me confronte. Mais... Ce que j'ai écrit est écrit.
Au revoir.